Bon, bonjour à tous, je suis très heureux d'être là, très heureux de parler d'économie sociale et solidaire et je vous l'avoue un peu moins de consommation et de viande de cheval qui m'a beaucoup préoccupé pendant ces dernières semaines, donc très heureux de pouvoir parler avec vous. Oui, c'est vrai, le pire étant qu'on peut, effectivement, vous avez raison, Monsieur Frémaux, faire quelques liens entre le monde coopératif et cette affaire, donc, mais on ne va pas s'en vanter de trop, hein, si vous le voulez bien. Non, mais pour revenir sur votre initiative que je trouve très bienvenue, vous donnez mon appréciation un petit peu du développement de l'économie sociale et solidaire. Je considère que. Et nous considérons, avec moi le gouvernement, le Premier ministre bien sûr, et le Président de la République, que la nécessité de développer l'économie sociale et solidaire, d'inscrire son développement dans une véritable stratégie de croissance, elle répond au moins à trois réalités. D'abord, la montée en puissance des besoins sociaux et des besoins des personnes dans nos sociétés. Je pense en particulier au vieillissement de la population, mais pas seulement. On voit bien autour aujourd'hui de la prise en charge de la petite enfance, du développement des services à la personne, qu'il existe une multitude de besoins sociaux non satisfaits qui appellent des réponses, qui sont des réponses qui peuvent relever du service public, mais qui souvent relèvent des missions qui sont celles des acteurs du privé non lucratif, c'est-à-dire des acteurs de l'économie sociale et solidaire. La deuxième réalité, c'est aujourd'hui l'existence, ou en tout cas une exigence, c'est l'exigence du développement d'un modèle responsable au sens où il est plus respectueux de ce qu'on appelle les externalités positives, c'est-à-dire l'impact social et l'impact environnemental des productions et des modes de production. Et je trouve assez positif que se développe, pas seulement en France, mais partout dans le monde aujourd'hui, au-delà d'une réflexion, mais toute une série d'initiatives, soit qui sont issues de la volonté politique, c'est le cas dans plusieurs États, soit issues d'initiatives privées en faveur de modes de production, de modèles économiques plus respectueux et de l'impact social ou de l'impact environnemental de ce que l'on produit. Et la troisième réalité dont je voudrais parler, qui s'appuie sur ce qui existe déjà, c'est le fait qu'il est particulièrement frappant de constater que les modèles d'entreprise qui sont ceux de l'économie sociale et solidaire sont particulièrement résilients. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur un modèle capitalistique, en quelque sorte, qui est beaucoup plus tempérant, au sens où il consacre l'essentiel des gains et des profits réalisés, soit à des réserves impartageables, soit à l'entreprise elle-même, c'est-à-dire à un fonctionnement patient, tempérant, un capitalisme tempérant dont on a pu parler longtemps. Mais il y a là une troisième caractéristique qui justifie que ce modèle soit plus résilient et que dans les 10 dernières années en France, il ait créé 23% d'emplois supplémentaires, là où le modèle économique classique, les entreprises classiques, n'en créaient que 7% supplémentaires. Donc c'est un modèle résilient, plus résilient à la crise et qui est créateur d'emplois. Trois réalités donc, la montée des besoins sociaux, la nécessité d'avoir un modèle économique plus respectueux de l'environnement et de son impact social, et enfin un modèle qui valorise les emplois qui sont créés dans ce secteur. Il n'y a pas de miracle à cela. Pourquoi est-ce que ce modèle, et en tout cas celui de l'économie sociale et solidaire, s'attache à répondre à des besoins sociaux, à être vertueux sur le plan environnemental, à valoriser les emplois qui sont créés en son sein? C'est d'abord parce que, et je veux insister là-dessus, la gouvernance démocratique de ces entreprises n'est pas étrangère à ces résultats. Pourquoi? Parce que dès lors que vous replacez l'individu au cœur de la décision économique, dès lors que vous les replacez au cœur des processus de production, on voit aussi que ça a un impact sur les conséquences sociales, les externalités ou les externalités environnementales. Et il n'y a pas là non plus de hasard à voir que l'économie verte et l'économie circulaire fait comme par hasard beaucoup de place à l'économie sociale et solidaire aujourd'hui. Tout ce champ immense de développement et de croissance qui est celui du recyclage, du réemploi, de la réparation, de l'économie circulaire ou de l'économie verte est naturellement un champ qui a été investi, colonisé, peuplé par bon nombre d'acteurs économiques qui relèvent en France, comme en Amérique du Sud, comme en Afrique, comme en Asie ou dans le reste de l'Europe, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décidé de construire une stratégie de croissance pour l'économie sociale et solidaire. Je reviens
Je discutais avec mes collaborateurs tout à l'heure des engagements de la Banque publique d'investissement en France en faveur de ce secteur. Il y avait eu un engagement du président de la République qui était de consacrer 500 millions d'euros au financement de l'ESS. Mais une fois que cet engagement était pris, encore fallait-il construire le mécano qui garantisse que demain, aussi bien sous la forme des prêts nécessaires à travers OSEO au sein de la BPI, qu'à travers les besoins en fonds propres qui pourraient être assurés par la branche CDC Entreprises de la Banque publique d'investissement, que les mécanos existent de telle manière qu'on réponde aux besoins qui sont ceux aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons travaillé, nous travaillons en lien avec la Banque publique d'investissement de manière à ce que le volume des prêts qui soient distribués aux structures de l'ESS augmente, au-delà de ce qui a été fait évidemment jusqu'ici par OSEO, et que sous la forme sans doute d'un fonds de fonds, on travaille, pour les spécialistes, on travaille avec les structures existantes qui ont déjà l'habitude de soutenir les acteurs de l'économie sociale et solidaire, la Socoden, le Crédit Coopératif, la CGSCOP, France Active, de façon à pouvoir apporter, soutenir les besoins en fonds propres qui sont ceux des acteurs de l'ESS, indispensables pour changer d'échelle et se développer. C'est sur ces mécanos parfois un petit peu compliqués, qui n'appellent pas de communication tapageuse, que nous travaillons de façon à être parfaitement opérationnel au moment où nous allons de surcroît adopter une loi d'ici la fin de l'année qui va être une loi importante pour le secteur. Alors un mot sur l'université et l'entrepreneuriat social. Moi, je me réjouis que d'abord il y ait, selon un travail qui a été fait par vous, d'ailleurs, Monsieur Frémaux, si mes souvenirs sont bons, sur l'enseignement supérieur et les masters dans l'université consacrée à l'économie sociale, qu'il y ait aujourd'hui tant de formations destinées à l'économie sociale, sous toutes ses facettes, hein, c'est très divers, l'ESS, que ça aille du management dans une structure associative jusqu'au fonctionnement d'une coopérative, jusqu'à l'entrepreneuriat social, etc., sous toutes ses formes, on trouve différentes formules, mais il y a plus de 70 aujourd'hui masters consacrés d'une manière ou d'une autre à l'économie sociale. Ça montre quoi ? L'appétit aujourd'hui de bon nombre de jeunes diplômés pour, évidemment, un travail, mais un travail dans des structures qui sont des structures qui relèvent de l'ESS ou cette logique du non-profit ou de la volonté de faire un usage différent des profits s'attache justement à ce qu'on puisse être performant sur le plan économique, performant dans un environnement concurrentiel, mais sans oublier l'utilité sociale de ce qu'on fait, l'impact environnemental de la production, le statut des salariés, les formes de décision collective qui sont attachées aujourd'hui, depuis maintenant d'ailleurs plus d'un siècle, à l'économie sociale et solidaire. Alors que peut-on faire de mieux et de différent ? J'ai essayé de prendre quelques initiatives dans ce domaine-là, dans le domaine du lien entre les jeunes diplômés et les entreprises de l'ESS depuis maintenant quelques mois que je suis ministre en charge de l'économie sociale et solidaire. D'abord, en lien avec le monde des employeurs de l'ESS, l'UGIRES, nous avons créé un site internet, emploiess.fr, dédié aujourd'hui aux offres d'emploi dans l'économie sociale et solidaire, et qui s'intéresse particulièrement aujourd'hui aux qualifications et aux formations qui sont celles des jeunes diplômés. Car il faut que vous le sachiez, d'ici 2020, il y a 600 000 départs à la retraite qui sont programmés dans l'économie sociale et solidaire et qui appellent donc un fort renouvellement des générations et de l'encadrement dans ces structures-là. Donc il y a des besoins de recrutement et il y a un appétit pour ces emplois-là. L'objectif de ce site est de mettre en regard les formations des uns et les besoins en emploi des autres. Mais à bien des égards, ce site est venu, en tout cas, s'est affirmé après une autre initiative qui, je crois, a été saluée par vous, d'ailleurs, aujourd'hui récompensée et que nous avions nous-mêmes mis en valeur, qui est celle de Saïd Amouche avec Mosaïque RH, que nous avons voulu aussi soutenir. Et je me réjouis d'ailleurs qu'aujourd'hui, cette journée, ce débat a été d'ailleurs piloté, parrainé par à la fois le Crédit Coopératif et la Massif, d'ailleurs, que je salue parce qu'on les retrouve souvent dans toutes les initiatives qui visent à encourager l'innovation sociale, l'entrepreneuriat social. Mais Saïd Amouche et Mosaïque RH ont fait quelque chose d'absolument précieux aujourd'hui pour les entreprises. C'est la création d'une CVTech, mais plus qu'une CVTech, avec un statut de structure de l'économie sociale et solidaire, la volonté de mettre là aussi en regard des jeunes diplômés issus des quartiers avec des entreprises. Pourquoi le faire pour des jeunes issus des quartiers ? Parce que, hélas, dans ce pays, les discriminations à l'embauche
persiste, et elle persiste autant pour les jeunes diplômés que pour les jeunes peu ou pas qualifiés, quand on a eu le malheur, et je mets le malheur entre guillemets, de mal naître, au sens où on est mal né au mauvais endroit, ou avec un mauvais nom, un mauvais patronyme, une mauvaise adresse. Ça existe hélas encore, et moi je me réjouirais le jour où un certain nombre de chefs d'entreprise arrêteront de nous valoriser le quota de jeunes beurre qu'ils ont, et là où ils recruteront des jeunes diplômés, pas parce que c'est un jeune beurre ou une jeune femme issue des quartiers, mais tout simplement parce qu'ils sont pas moins ni pas plus compétents que d'autres, juste pour leurs compétences. Et ça, j'espère que ce sera pour bientôt. En attendant, je me réjouis qu'il y ait des efforts qui soient faits. Mais nous réjouirons vraiment quand tout ça sera naturel, normal, et pas de l'ordre d'une communication spécifique pour montrer qu'on fait dans la diversité. Voilà, je ferme la parenthèse, mais en tant qu'élu de Trappe dans les Yvelines, je suis attaché à l'égalité de tous devant l'emploi et devant le diplôme aussi et la qualification. Fin de la parenthèse encore, mais donc Mosaïque RH, de ce point de vue-là, fait un travail remarquable. Vous les avez récompensés, vous avez eu raison. Parce que Saïd Amouche est une personne qui fait un excellent boulot dans ce domaine. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, moi, ce qui m'intéressera tout à l'heure dans les discussions que nous aurons avec les présidents d'université, c'est de savoir aussi s'ils considèrent, et peut-être aussi avec les chefs d'entreprise qui sont là, si aujourd'hui les masters correspondent à la fois, ou les formations, aux besoins des étudiants, mais aussi aux besoins des entreprises qui sont celles de l'économie sociale et solidaire. Mais il est clair que si nous voulons changer d'échelle, il faudra pas se tenter de changer les comportements. Vous savez, on fait beaucoup la différence entre les comportements et les attitudes, les comportements changeant en fonction d'un arbitrage rationnel. Et aujourd'hui, dès lors qu'il y a des politiques incitatives dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, un certain nombre d'acteurs se positionnent en faveur de ces politiques. Mais changer les attitudes, c'est changer les systèmes de valeurs, et c'est faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'on n'a pas à se justifier dans l'économie sociale qu'on est performant économiquement. Vous avez vu, comme ministre, j'étais encore obligé de faire mon petit laïus pour dire 23% d'emplois en plus, ça marche bien, etc. Je rêve du jour où j'ai plus à faire cette démonstration-là et qu'elle soit acceptée, intégrée par tous. Pourquoi ? Parce qu'on serait acculturé à l'idée que l'économie sociale et solidaire, ce modèle d'entreprise, eh bien, c'est un modèle qui n'est pas dans l'absolu meilleur au sens moral du terme qu'un autre. Il a des vertus qui sont des vertus prouvées dans le temps, démontrées par les faits, par les chiffres, et qu'il faut à ce titre essayer, dans le monde post-Lehman Brothers dans lequel nous vivons, de lui donner quelques lettres de noblesse supplémentaires. C'est ce à quoi nous nous attachons aujourd'hui. Et je terminerai par ça. La loi que je défendrai que je devrais présenter fin juin, début juillet au Conseil des ministres, qui sera donc débattu en session extraordinaire probablement au Parlement sur l'économie sociale et solidaire, va définir évidemment le périmètre historique de l'économie sociale et solidaire, mais encourager l'entrepreneuriat social sous des formes qui sont des formes nouvelles, en permettant à des jeunes qui veulent créer leur entreprise, mais avec un fonctionnement qui soit un fonctionnement différent, en encadrant de manière très précise la distribution des dividendes, en faisant en sorte d'avoir une gouvernance démocratique, une lucrativité limitée, de permettre à ces jeunes de créer ces entreprises sociales et solidaires qui, à côté des mutuelles, acteurs historiques, à côté des coopératives, acteurs historiques, des associations ou des fondations, ont construit l'économie sociale et solidaire. Et si nous parvenons, par la loi, à muscler la création d'entreprises sociales et solidaires, par le travail des universités, à multiplier les diplômes et à faire en sorte que demain, nous fléchions les créations de ces activités vers ces besoins sociaux non satisfaits, eh bien, je crois que nous aurons fait beaucoup. C'est aussi une action politique en soi tempérante, plus patiente, moins tapageuse. C'est pour ça qu'on nous demande « Mais qu'est-ce que vous faites dans l'ESS ?» Nous ne cherchons pas spécialement la lumière en ce moment. Ce que nous voulons, c'est des résultats. Et d'ici l'année prochaine, on verra que, à bien des égards, tout le travail que nous aurons fait, d'ailleurs, en lien très étroit entre les acteurs de l'ESS eux-mêmes et les pouvoirs publics, qui est un travail patient, important, eh bien, portera ses fruits et permettra, je le souhaite, à ce secteur en France, comme ensuite en Europe, de changer d'échelle. Donc je vous félicite à nouveau pour cette table ronde, dont j'espère qu'elle n'est pas une mode, une tendance. Je pense qu'elle préfigure à bien des égards des événements qui se répéteront. Et je suis très heureux d'être venu conclure vos travaux. Pardon de ne pas les avoir entendus, mais j'étais à la fameuse séance des questions au gouvernement, appréciée des retraités, me dit-on, à la télévision, sur France 3 et de beaucoup d'autres. Et donc, voilà. Mais pas que, hein, évidemment, des députés de l'opposition aussi qui peuvent y dire tout et n'importe quoi, mais ça, c'est autre chose. Merci à vous et puis à bientôt.
Merci.